tous et à toutes, vous n'aimez pas le gaspillage. Et pour ça, nous sommes d'accord. Alors, nous allons de suite poursuivre pour un nouveau tutoriel. On y va? Il fait beau, il fait très chaud. Alors, en ce moment, j'ai décidé de laver mes coussins, les couvre-coussins, et relooker un peu la maison. Donc, pour les coussins, une fois lavés, malheureusement, j'ai obtenu ça comme résultat, c'est-à-dire que la doublure n'a pas trop résisté. Entre vous et moi, ce n'était pas une matière extraordinaire. Et j'ai décidé de les doubler. Avant d'acheter du tissu ou quoi que ce soit, je vous donne un conseil. Je suis sûre que dans votre placard, vous allez trouver des taies d'oreiller que vous n'utilisez plus, qui ont pris de l'âge aussi, et puis des vieux draps. Recyclez, vous verrez, c'est vraiment extraordinaire. Donc, à partir de draps, de vieux draps, j'ai coupé deux morceaux, j'ai reporté la mesure. Donc, la mesure, c'est très simple. Quel que soit le coussin que vous aurez à recouvrir, il suffira tout simplement de prendre votre coussin comme ça, de le tendre bien. De bout à bout, ça va vous donner une mesure. Généralement, ils sont carrés. Bon, s'ils ne le sont pas, vous verrez, vous reporterez la mesure que vous avez. Donc, cette mesure-là, la reporter sur la doublure. En ce qui concerne la couture, c'est très simple. Vous allez coudre tout autour, point d'arrêt, début, fin, et vous allez laisser une ouverture de 20 cm. Alors, pour ne pas oublier, pour certains, si vous avez besoin de le tracer, faites-le. Sinon, bah, c'est pas bien compliqué. On laisse une ouverture 20 cm, 18, 19, c'est pas très important. Il faudra juste qu'elle soit assez grande pour pouvoir passer le coussin. Mettez bien à plat, endroit sur endroit, épinglez tout autour et piquez. Arrivé à l'angle, j'explique pour les débutants, plantez l'aiguille bien au fond, levez le pied presseur, retournez votre pièce et piquez à nouveau. Je réexplique à nouveau. Avant d'arriver au bord, plantez votre aiguille. Votre aiguille, elle doit être en bas. Soulevez le pied presseur. Retournez votre pièce. Baissez à nouveau le pied presseur. Et repartez avec une couture. Et vous procédez de la même façon à chaque fois que vous arrivez aux angles. Avant d'arriver au bord, on plante son aiguille. On lève le pied presseur. On retourne la pièce, on la positionne bien comme il faut, on baisse à nouveau le pied presseur et on pique. Finalisez par un point d'arrêt, sans oublier bien sûr de laisser l'ouverture. Retournez sur l'endroit, laissez la vieille housse, c'est pas très important, et introduire le coussin dedans. Donc l'astuce, attrapez l'angle du coussin à l'intérieur avec celui de la housse. Pour ça, bien sûr, pour introduire la main, vous allez sentir le coin du coussin que vous allez attraper avec le coin de la housse et vous faites ça pour les quatre angles. Entrez la valeur de la couture, épinglez et piquez, piqûre nervure, point d'arrêt, début et fin. Bien sûr, en piquant, poussez bien le coussin à l'intérieur. Ne le prenez pas. Prenez juste la doublure. Assurez-vous que vous avez bien assez de matière ici, des deux côtés. Mais surtout pour ne pas piquer dans le vide. Hein. Si vous avez un problème au niveau de l'entraînement de la couture, mettez votre main derrière et tenez le coussin. Alors, j'ai fait la même chose pour tous les autres coussins. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai constaté qu'après le lavage, eh ben, les housses ne sont pas extraordinaires, du moins la doublure de la ouate. Et deuxièmement, j'ai envie de relooker les coussins. Si vous avez envie de me suivre dans ce projet, n'oubliez pas de vous abonner. Et surtout, mon conseil, avant de commencer, récupérez tout ce que vous avez dans votre placard que vous n'utilisez plus. Ça peut être du tissu, ça peut être, comme je vous ai dit, des draps, ça peut être n'importe quoi. Mais recyclez, s'il vous plaît. Pour ma part,
J'ai pris un réel plaisir à passer ce petit moment avec vous. En attendant notre prochain rendez-vous, n'oubliez pas au passage un petit like, un commentaire et surtout, abonnez-vous!